Si toi aussi tu veux aider un jeune footeux à devenir un grand footballeur, alors abonne-toi à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Pas les blébureux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures avec le Stade Rennais. Vous avez pu voir une nouvelle recrue. Et on va tout de suite démarrer ce match face à Paris, deuxième journée. Le premier match, on a fait un nul, un but partout face à Montpellier. On tout de suite le choc face à Paris, le deuxième en deux vidéos. L'appel d'Mbanyang, Mbanyang dans la surface, Mbanyang vers Traoré. C'est la pause ici au Rosen Park de Rennes, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique et le Stade Rennais. À tout de suite pour le coup dans la seconde période. Et tenu en échec ou tient en échec le Paris Saint-Germain, c'est comme vous voulez. On se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. À tout de suite. Et le contre emmené par Rafinha, Rafinha qui a vu l'appel de Dominique Calvert-Lewin. Calvert-Lewin dans la surface, Dominique Calvert-Lewin. Calvert-Lewin, Rafinha, oh quelle occasion. Il en croit pas ses yeux, Julien Stéphan. Cavani, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Et 2-0. 2-0 pour Paris. Putain, c'est pas possible. La frappe et l'arrêt de Mendy. Le corner dans quelques instants. Oui, le ballon en retrait peut-être. La frappe de Di Maria et la parade de Mendy. Oui, Adama Traoré. Qui va centrer vers Mbanyang. C'est parti dans la surface pour Dominique Calvert-Lewin. Nouveau corner. Fred. Vers la tête de Stephen Nzonzi, et voilà la fin du match, défaite du Stade Rennais, 2-0. C'est parti! Et le ballon rennais toujours. On peut voir le centre, c'est Damien Da Silva qui dégage. Dominique Calvert-Lewin. Appel de Mbanyang là-bas, c'est passé. Mbanyang toujours, Mbanyang qui va centrer. Vers Adama Traoré, ballon dégagé, Benjamin Bourigeau. Et la pause ici au Rosen Park, 0-0 entre le Stade Rennais et le Celtic. À tout de suite pour le coup d'envoi de la seconde période. Voilà, de retour ici au Rosen Park, c'est parti.
pour la seconde période, les amis. Bourigeaud, Bourigeaud dans la surface, ça frappe de Bourigeaud. Et la parade. Et le corner pour le Celtic. La tête, elle va passer au-dessus. Un quart d'heure. Rafinha, ouverture du score pour le Stade Rennais. 77e minute, le Stade Rennais ouvre le score dans le Rosen Park. On le revoit. Ouverture du score pour le Stade Rennais Football Club. 78e minute. 87e minute, Rafinha qui a vu l'appel d'Adama Traoré, Adama Traoré, Adama Traoré, en retrait pour Rafinha, pour le doublé. 88e minute, le Rosen Park s'enflamme pour son milieu offensif brésilien. Rennes va s'imposer. Contrat rempli pour les hommes de Julien Stéphan. Julien Stéphan. Oh, la sortie d'Edouard Mendy. Dehors. Fin du match sur Rosen Park, Rennes s'impose 2-1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et une seule chose, restez chez vous. Merci à tous les forces de l'ordre, pompiers, policiers, hommes, personnel médical qui aident ce confinement et aux professeurs d'école pour qu'on puisse suivre les cours. Allez, quichez le palier, à la prochaine, salut.